الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناه مبادئ العلوم الشرعيه Bienvenue tous sur notre chaîne Mabadi Al Ulum Al أصول pour nouvelle vidéo للشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه الدرس الحادي عشر muhimu at-taarud fi quran muhimu at fil quran muhimu ce qui peut faire croire at la contradiction dans le Coran at Fil quran an tataqaabala ayatayn donc qu'est-ce que at fil quran c'est le fait que deux versets s'opposent bi haythu madlulu ihdahu de telle sorte que le sens d'un verset empêche le sens du deuxième Mithle an takuna Āhdahuma muzbitatan li shayin wal ukra nafiatan lahu. Comme le fait qu'un verset affirme une chose et le deuxième l'ani nie. Wala yumkino an yaka taarodu beina ayatain madlou lohuma khabariyun. Et il est impossible que la contradiction arrive entre deux versets qui sont khabari, c'est-à-dire qui sont une information. Li anahu yelzamu kaunu Āhdahuma kadiban. لأن سوسي implic qu'un des وهو مستحيل في اخبار الله تعالى قال الله تعالى ومن اصدق من الله حديثا وقال ومن اصدق من الله قينا ولا يمكن ان يقع التعارض بين ايتين Et également, il est impossible que c'est-à-dire ce qui en apparence est une contradiction, arrive entre deux versets qui sont rokmi, c'est-à-dire qui sont un jugement. Car le deuxième verset, c'est-à-dire celui qui sera révélé en dernier, sera un verset qui abroge le premier.

Et lorsqu'il te paraît que deux versets se contredisent, alors essaie de faire la liaison et l'accord entre ces deux versets. Et si cela t'est impossible, si l'accord entre les deux ne t'apparaît pas, alors il t'est obligatoire de t'abstenir et de renvoyer cette science à celui qui la connaît. رحمه الله امثله كثيره لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك ومن أجمع ما رايت في هذا الموضوع كتاب دفع ايهام الاضطراب عن اي الكتاب للشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى et parmi les ouvrages les plus benefiques sur ce sujet لوليفر محمد الامين شنقيطي دفع ايهام الاضطراب عن اي الكتاب. سي انيفغ ان سول فوليم. فمن امثله ذلك قوله تعالى في القران هدى للمتقين وقوله فيه شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. فجعل هدايه القران في الايه الاولى خاصه بالمتقين. Wa fi al-thaniyati 'amatan lin-nas wal-jam' baynahuma anna al-hidayata fil-ula hidayatu at-tawfiqi wal-intifa'i wal-hidayata fi al-thaniyati hidayatu at wal-irshad. Parmi les exemples de at Dans ce verset Allah nous dit hudal lil-muttaqin. Le Coran est une guidance pour ceux qui ont craint. Pour les pieux. Et dans un autre verset il nous dit il est une guidance pour les hommes. Donc, dans le premier verset, la guidance est spécifique aux pieux. Et dans le deuxième, elle est générale pour les hommes. Et l'accord entre ces deux versets est simple. Dans le deuxième verset, le Coran est une guidance dans le sens de leur montrer le bon chemin, leur éclairer la bonne voie. Et dans le deuxième verset, ceux qui vont réellement tirer profit de cette guidance sont ceux qui ont cru, ceux qui sont pieux c'est-à-dire <médicatrice> ici <médicatrice> la guidance dans l'application, dans celle qu'Allah a décidé pour la personne bien guidée, et ceux qui vont réellement tirer profit de celle-ci. Tandis que <médicatrice> ici c'est <médicatrice> la guidance dans l'éclaircissement et dans le fait de montrer la bonne voie. wa il Ta'ala sallallahu wa إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله فيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين Toujours dans al hidayah ces deux versets. La tahdi man ahbabta. Ici, Allah dit à son prophète, tu ne guides pas celui que tu aimes. Et dans un autre verset, il dit, ⁇ Et certes, tu guides vers une voie droite. ⁇ Dans le premier verset, il y a une négation de la guidance au prophète. ⁇ Et dans le deuxième, il y a une affirmation de la guidance vers un droit chemin. Et l'accord entre ces deux versets est le même que dans les deux versets précédents. La guidance qui est niée ici est la guidance qui revient à Allah seul. C'est-à-dire le fait qu'Allah choisisse que cette créature sera guidée. Il a décrété pour lui la guidance et qu'il tire profit des enseignements du Coran. Tandis que la guidance qui est affirmée dans « La tahdi ila sirati mustaqim » il s'agit ici de montrer et appeler les gens à la bonne voie. C'est ce qu'on appelle « Hidayat al-tabiyyin ».« Wa min amsilati thalika qawluhu ta'ala shahidallahu anahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul Wa qawluhu wa ma min ilahin illa allahu »« Wa qawluhu » فلا تدع مع الله إلهًا آخر فتكون من المعذبين، وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير Autre exemple, Allah nie dans les deux premiers versets toute divinité en dehors de lui. Tandis que dans les deux autres versets, Allah nous dit ⁇ et n'invoque pas en dehors d'Allah une autre divinité. On peut comprendre ici qu'il existe d'autres divinités en dehors d'Allah. Et l'accord entre ces deux versets est simple. Il s'agit ici des divinités qui sont fausses, ceux qui sont adorés injustement. Tandis que la divinité réelle est Allah seul. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء وقوله واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ففي الايه الاولى نفي ان يأمر الله تعالى بالفحشاء والظاهر الثانيه ان الله تعالى يأمر بما هو فسق والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي الله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ولينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني

et lorsque nous venons détruire une cité, Amarna nous ordonnons alors aux gens opulents de celle-ci, face à Et ils commirent alors la turpitude, où ils ont fait preuve de perversité. On pourrait comprendre qu'il y a une contradiction dans ces deux versets, puisqu'Allah, dans le premier, n'ordonne pas la turpitude, et dans le deuxième, Amarna Mutrafiya, et nous avons ordonné aux gens opulents de celle-ci de commettre la turpitude. Seulement ici, il faut faire la différence entre... El et al El amroul shari' c'est ce qu'Allah ordonne à titre de légifération, c'est-à-dire de religion. Ce qu'Allah nous ordonne dans le Coran ou dans la Sunna. Tandis que El al kouni c'est ce qu'Allah ordonne dans la création, ce qu'Allah a décrété. Et Allah décrète des choses dans sa création par sagesse, quand bien même celle-ci ne serait pas en accord avec ce qu'il a ordonné dans sa religion. Car là, certes, décrété qu'il existe des voleurs, des tueurs ou des guerres ou d'autres choses par épreuve pour les croyants. Et il y a dans cela une sagesse. Quand bien même ces choses, il ne les a pas ordonnées dans sa religion. <fiction> Wahua taqidouchei ibidikli muadvamin bil wawi au ihda ahawatiha. Waadawatuhu salah sun. el qasamu le fait de jurer, le sermon. Et nous disons également en arabe, el-yamin. el qasamu <truits> c'est le fait d'affirmer une chose en glorifiant une autre par le waw ou une autre particule du qasam Les particules du qasam sont au nombre de trois. el waw misla kawlihita ala. Ici l'auteur nous donne les règles spécifiques au waw du Qasem. La première chose c'est que El Aamil c'est-à-dire le verbe qui a le sens de jurer est toujours sous-entendu. Et il est interdit de le faire apparaître avec le waouh. Également, avec le waw, nous emploierons seulement un nom qui est apparent et pas un pronom, tel que وَرَبِّ أو والله إنو نو وكا مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال العامل هنا هو أقسم ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين La deuxième particule pour jurer est le bas. Le bas, quant à lui, nous pouvons faire apparaître le verbe ou le mot qui a le sens de jurer. Tel que dans ce verset, la Non, je jure par le jour de la résurrection. Ici, « uqasimu » est elrahamil. Il est le verbe qui a le sens de « jurer »,« je jure ». Il est également permis de sous-entendre le verbe, comme dans ce verset « fabirizatika ». Ensuite, le « ba » avec lui, nous pourrons employer un « ism mais également un pronom. Un pronom tel que dans cet exemple, « allahu rabbi wabihi ahlifu » et par lui, « je jure »,« sur al-mu'minin »« il secourra les croyants ». والتاء مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها الا اسم الله او ربي مثل ترب الكعبه لأحجن ان شاء الله التأ. التأ. Avec lui التاء التاء allons supprimer العامل التا كونتا لوي نسمورا كا الله و ابيك لومو رب نبوندير تالله او ترب الكعبة مي نو نبون با دير تالرحمن او تالعزيز اينسي دو والاصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في الامثلة السابقة وقد يحذف وحده مثل قولك احلف عليك لتجتهدن وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى L'auteur nous dit ici que la base est que la personne ou la chose par quoi nous jurons est mentionnée. Mais il est possible que la chose mentionnée soit sous-entendue. Comme si tu disais ⁇ Ahli for la et je jure que tu vas faire des efforts. Ici, le sens est ⁇ Je jure par Allah ⁇ ou ⁇ Je jure par le Seigneur ⁇ et ainsi de suite. Et également, il est possible que... La personne par quoi nous jurons également al-Amil est sous-entendu, comme dans ce verset: Thumma latus al-nayum ma idin anin na'im. Ici, al est également, ce par quoi nous jurons est sous-entendu. Wal-aslu dhikru al-muqsam 'alayhi, wa huwa kathir mithla qawlihi ta'ala: Qul bala wa rabbi la tub'athun. Wa qad yuḥthaf jawāzan mithla qawlihi ta'ala: Qaf wal Qur'an al » La base également est que la chose que nous voulons accentuer, que nous voulons affirmer en jurant est mentionnée

C'est pour cela qu'il ne convient pas de jurer, si ce n'est dans trois cas. Le premier, le fait de jurer sur une chose qui est importante. Deuxièmement, lorsque l'interlocuteur sera hésitant dans l'information. Le troisième cas, lorsque l'interlocuteur ne croira pas à l'information, lorsqu'il la reniera. Donc ça c'est les piliers de el-qasem en arabe, el-amil tel que le verbe ahlifu ou qasami, le masdar avec yal mutakalim ou alors le verbe uqasimu. Ces trois mots ont le sens de je jure. Le deuxième pilier adatul-qasem, l'outil par lequel nous allons jurer. Ces trois particules, le ba, le ta ou le wa. Le troisième pilier el muqsamubi ce par quoi nous jurons. Et en l'occurrence il n'est pas permis aux créatures de jurer par un autre qu'Allah, ou ses noms ou ses attributs. Le quatrième pilier est le sur quoi nous allons jurer, tel que la af'ala nakada, je ferai cela, ou toute information que l'interlocuteur a du mal à croire, ou qui est importante. Un exemple. قال الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا Ici, «al-amil» est sous-entendu, «auqasimu». Le «waw» «adatul-qasam». Ensuite, «al-muqsamu bihi» c'est quoi La chose par quoi Allah a juré. «Wal-shams wal-duhaar, wal-qamar idha talaha, wal-nahar idha jallaha, wal-layl idha yirshaha, wal-sama, wal-arb, wal-nafs». Donc, Allah jure ici dans les sept versets. «Tantôt par le soleil, par la lune, par le jour, par la nuit, par le ciel, par la terre, par l'âme. « El mouqsamu alayhi » c'est-à-dire l'information sur quoi Allah jure est « Qad aflaha man zakkaha » Certes a réussi celui qui purifie son âme. « Wa qad khaba man dasaha » Et a perdu celui qui la souille. Autre exemple, « Qala Allahu ta'ala la unqasimu uqasimu bihada balad Wa anta hilum bihada balad Wa walidi wa ma walad »« La qad khalaqana al-insana fi kabal » Ici, Ensuite, elle m'oxamou bihi est quoi Elle balade cette ville, cette cité. Également, par le père et ceux qui l'engendrent. Et elle m'oxamou alayhi, c'est-à-dire l'information sur quoi la jurée est. Et certes, nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Les règles propres à Adawatul qasim. Donc elle waw, il est propre au nom ظاهر et il est obligatoire de supprimer l'amil avec lui tel que wallah war rahmani wa rabbi al alamin al ba yashteriku bayna al ism al wa al damir wa ma'ahu al il au nom ظاهر et au damir également il est permis de mentionner avec lui al amil tel que wa billahi wa bihi o billahi o bihi atta quant à lui يختص بلفظ الله أو رب ويجب حذف العامل وتا إذا سبيسيفيك أو نو الله إي الرب فون تالله تالرب بن عالمين إي هي الفيديو فيديو كي ساشيف شو دي أتري بيانتو بوغ فيديو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم